Allez, c'est promis, voici la petite vidéo pour voir les produits blancs Marie-Claude en vrai. Donc, vous avez des tapis pour le bain ou des tapis aussi pour faire des descentes de lit ou des décorations en coton, bien sûr, très épais. Donc, ceci à franges very, very shabby. Vous avez plusieurs couleurs. Voilà, je vous montre aussi l'arrière. Ensuite, on a un cadeau de naissance ou un cadeau de Noël. Donc ça, c'est très beau, c'est pour les bébés. Donc ce sont, c'est un renne. Il y a aussi une licorne. Donc vous voyez, c'est emballé avec un très joli ruban. Vous avez une couverture qui fait 75 cm par 1 mètre. C'est la taille des lits bébés. Elle est toute douce, hein, elle est en polaire. Vous voyez, vous avez la marque qui est brodée dessus. C'est un très beau produit. Voilà, je vous montre ce doudou. Le doudou fait 20 cm par 20. Voilà, là, comme ça, vous avez la taille. Je pense qu'on se rend mieux compte. Ensuite, pour vos petits cadeaux, donc c'est une couronne très, très, très rétro, vous voyez, avec des petits strass. Alors, je trouve que c'est très joli parce qu'il y a avec, bon, en plus de l'étiquette, vous avez une petite étiquette en forme de couronne avec marqué pour. Voilà, de la part d'eux. Donc ça, c'est super. Nos petits plats. Assortis au chemin de table, là, c'est vraiment exceptionnel. Vous avez la nappe qui est assortie. C'est vraiment... bon, là, c'est le produit top, top luxe. Ensuite, il me reste une nappe brodée au crochet. Deux jolies lampes en forme d'ange. Alors, je vous montre la taille. Je vais prendre du recul parce qu'on ne se rend pas bien compte. C'est comme cette statue. Voilà, elle est grande. Sur la photo, elle paraît petite, mais elle fait quand même 45 cm. Donc vraiment, c'est une très très belle pièce. Vous voyez, la couronne est posée juste sur la tête avec de la feuille d'or. C'est vraiment très 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 joli. Un très beau produit. Donc derrière, vous pouvez voir une guirlande enneigée qui est vraiment très très grande et que j'ai prise parce que j'en voulais une depuis longtemps pour mettre sur une cheminée. On peut la poser sur un buffet. Là, j'en ai mis une sur la bibliothèque. Je vais vous montrer en vrai. Ensuite, j'ai aussi ces magnifiques bougies dans des pots en verre. Regardez un peu si c'est beau. Donc c'est pareil, c'est quand même ça, une belle taille. Bon, je ne peux pas vous dire, enfin, vous faire sentir, mais c'est un parfum boisé. C'est très très bon. De bon, n'importe quoi, très très doux, enfin, j'adore. La boîte se présente comme ça. Le packaging, alors c'est lourd, hein. Le packaging est très très beau. À l'intérieur, vous voyez, c'est rangé en deux parties. Vous avez le couvercle dans un emballage, hop là, et dessous, vous avez la bougie. Voilà, c'est très très joli. Ça fait des très beaux cadeaux à offrir. Ensuite, vous avez donc bon, il y a des beaux rideaux. J'en ai reçu aussi dans les blancs. Et vous avez aussi ce très beau cadre. Alors là, c'est pas de la merdouille, hein, ça plombe, je vous le dis. C'est très très joli. Ça, c'est du vrai verre, hein, c'est pas du plastoc. Hein, c'est vraiment très très beau produit. Voilà. Ensuite, j'ai. Hop là, on passe. Alors. Ah ça c'est super mignon, ce sont des boîtes avec des petites serviettes à l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez un ruban en velours blanc. Voilà comment c'est présenté. Et à l'intérieur, les trois serviettes qui sont roulées. Alors elles font, je vais vous le dire, 32 par 32. Voilà, pour 12,80 €, c'est un très beau cadeau. Alors la petite licorne, comme le renne. Voilà, je vous la montre parce qu'elle est toute mignonne. Et ici, elle a des petites franges. Elle a une crinière en fait. Elle a une crinière toute argentée. Elle est toute mimi avec sa petite corne là. Donc voilà. Et ici, je peux vous montrer aussi des petites serviettes qui sont brodées. Elles sont vendues par deux. Alors vous avez des fleurs qui sont crochées. Et en plus de la broderie. Voilà, donc ça c'est vendu par deux. Voilà, elles font 30 par 50. C'est un très beau produit pour vos petits cadeaux. Et ensuite, je peux vous montrer, hop, on va monter, tac, 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 des boîtes aussi cadeaux. Voilà, hop là, à 5,30 €. Là, comme ça, vous pouvez voir la couleur. C'est très, très joli.
Elles sont vraiment costauds. Et la guirlande, alors là, je vais prendre un peu de recul parce qu'elle est vraiment... Elle est énorme. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, je prends vraiment du recul. Voilà, je l'ai mise en situation. Donc, vous pouvez voir que par rapport à la bibliothèque, qui est très imposante, la taille... Bon, il y a le lustre devant qui gêne un peu, mais la taille de la guirlande, quoi. Elle est vraiment très, très blanche et très fournie. Voilà, on va faire un petit tour. Hop là, donc là vous avez la collection Everslav avec des embellissements. Voilà, ça peut vous donner des idées. Hop là, petite collection, la neige, des petits sapins. Donc quand vous avez un album que j'avais fait avec l'album Les papiers Everslav, que vous pouvez retrouver aussi le tuto dans la boutique. Et ensuite, tac, 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 on descend. Ben là, on est toujours dans l'automne. Des papiers de Noël de chez Prima. Donc, notre album que nous réalisons en atelier ce week-end qui arrive et lundi prochain. Voilà, les petits glitters sont de retour aussi. Vous avez toujours des fleurs. Des fleurs. Voilà, je vous montre en vrai les jolis feuillages aussi. Les fleurs. Et voilà, je vous fais le petit tour aujourd'hui. Donc vous avez, ah ça c'est bien, ce sont des petites boîtes qui se vissent pour ranger tous vos sequins, vos perles, vos brads, vous pouvez ranger aussi vos œillets, toutes ces choses-là, les jolies ferrailles, hop là, et mon étagère de fleurs et papillons Prima. Alors là, voilà, vous avez une petite collection. Vous avez aussi de très jolis pistils, des étamines, ça dépend comment vous les appelez. On appelle ça des pistils, c'est des étamines. Donc voilà, vous avez plein de couleurs. Et on n'oublie pas les superbes strass de chez Craft Consortium, ces superbes embellissements. Là, vous avez, hop là, de quoi faire les passe-rubans. Alors, regardez ça, si c'est beau. C'est vraiment de très très beaux produits. Des perles nacrées et des strass. Voilà. Et des badges. La petite machine Jane, elle se présente comme ça, c'est loin. Voilà, voilà pour ce petit tour aujourd'hui. Et bien, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Scrap Merveilleux. Bye bye.